Le verdict est proche puisqu'elle s'élance à l'instant même pour la deuxième. C'est le prix André Michel, le premier groupe de cette journée. C'est un groupe 3 réservé aux femelles de 4 et 5 ans. 3600 mètres à parcourir avec Nuria Lam, le numéro 7, qui va franchir en tête la première difficulté aux côtés de Raphaël Saint. Rockmi est en troisième position, juste devant Madame Mouni qui patiente à hauteur de séduction. Astalam, la favorite, le numéro 6, est en léger retrait devant Colina, assez au dernier rang, le 4, Akela du Seuil. Pour aborder le premier tournant, c'est une corvélaire qui est devant. C'est la jolie grise presque blanche nommée Nuria Lam. Bertrand Lestrade aujourd'hui sur son dos pour Arnaud Chaillé. En deuxième position, l'expérimenté Raphaël Saint devant Madame Mouni, qui est là en troisième position. Rockmi est à sa hauteur et précède la favorite Astadam, qui est cinquième. Séduction, Kazakh en grande forme, Bardini est pour le moment sixième hors dedans, Akela du Seuil et Colina As. C'est la grise de Nuria Lam qui mène donc le petit peloton devant Raphaël Saint et Rockmi. Madame Mouni, le numéro 2, lauréate l'autre jour du prix Bernard Séclier, est en quatrième position à la corde. Astadam, la favorite, elle, est à son extérieur, au centre du peloton, devant Séduction, Colina As et Akela du Seuil, qui est toujours parmi les dernières. La haie qui sera dans un tour la dernière a été franchie sans problème. Nuria Lam à l'avantage, Rockmi vient en deuxième position à la hauteur de Raphaël Saint à son intérieur. Madame Mouni est toujours quatrième, Kazakh Hartzer, et précède ensuite l'autre corvélaire, Astadam, débarrassée de son bonnet pour la première fois aujourd'hui. Elle est pour le moment derrière un quatuor de tête et précède toujours le numéro 1, Séduction, suivi de près par Colina As et sur sa droite, Akela du Seuil. Nuria Lam qui a donc toujours l'avantage, direction la haie du pavillon. Rockmi est venu se placer en deuxième position devant Raphaël Saint. Madame Mouni patientant toujours derrière les animatrices, côté corde, aux côtés d'Astadam, devant Séduction, le top weight de cette épreuve, qui sous 70 kilos hein, va tenter de se mêler parmi les premières dans quelques instants. Colina As est toujours à l'arrière devant Akela du Seuil qui ferme la marche. Le tournant d'Auteuil désormais, toujours la jolie grise Nuria Lam qui contrôle les débats devant Rockmi, alors qu'Astadam va être décalé de la corde par son partenaire Pierre Dubourg pour essayer peut-être d'aller chercher une bonne portion de piste. Raphaël Saint est sorti du dos de Nuria Lam également, ce qui fait qu'elles sont quasiment 4 sur la même ligne. Madame Mouni se retrouve ensuite en 5e position. Colina As progresse au centre et a débordé Séduction. Elle est un peu brillante devant Akela du Seuil tout près. Direction la ligne opposée, toujours Nuria Lam qui mène les débats. Rockmi est à son extérieur. Madame Mouni patiente donc toujours derrière les premières. Raphaël Saint qui vient en 3e position devant la favorite Astadam. À l'arrière, côté corde, patiente toujours Colina As, Séduction et Akela du Seuil qui est dernière. Première rue, la ligne d'en face. Le meilleur pour Rockmi. Léger avantage sur Nuria Lam qui est passé deuxième. Qui revient maintenant quasiment reprendre l'avantage. Raphaël Saint est troisième devant Madame Mouni, Astadam. Qui se suivent de près, les deux favorites qui précèdent Colina As, Séduction et Akela du Seuil. Rockmi accélère pour sauter maintenant la deuxième haie de la ligne opposée et prend l'avantage devant Raphaël Saint. Nuria Lam est maintenant en troisième position. Astadam commence à se rapprocher des premières puisqu'elle vient à la hauteur de Madame Mouni. Colina As également, le numéro 8, accélère. Séduction patientant toujours à l'arrière en compagnie du numéro 4, Akela du Seuil. Nouvelle haie dans la ligne opposée. Cette fois-ci, Nuria Lam a bien sauté. Vu qu'elle avait pris son action, elle est de retour aux avant-postes. Rockmi est à sa hauteur, deuxième. Raphaël Saint est en troisième position pour aller vers la dernière haie de la ligne opposée. Astadam s'est donc rapproché. Madame Mouni est Colina s'en font de même devant Akela du Seuil et Séduction. Rien n'est joué encore dans cette épreuve, avec notamment les favorites hein, qui conservent leur chance pour la victoire. Nuria Lam vient à la hauteur de Rockmi devant Madame Mouni. Raphaël Saint qui progresse à l'extérieur. Astadam également qui est là en embuscade tout près des animatrices avec ensuite Colina. Seule Séduction et Akela du Seuil ont perdu le contact avec le peloton. Passionnant ce prix André Michel. Elles sont six pouliches en lice pour le remporter. D'abord il y a Nuria Lam, ensuite il y a Rockmi en dehors. Raphaël Saint qui progresse. Madame Mouni qui passe par la corde. Elles sont quatre de front. Astadam, Colina qui sont en position de contre-attaque à l'entrée de la ligne droite. À six concurrentes qui vont se disputer la victoire dans quelques instants, et notamment Madame Mouni qui vient très librement maintenant à hauteur de Rockmi. Raphaël Saint qui est troisième à l'extérieur devant Astadam, Colina As, Nuria Lam en revanche semble céder du terrain. Direction la dernière, peut-être Nicole contre Nicole à l'extérieur. Raphaël Saint qui a l'avantage, Colina As qui vient attaquer Madame Mouni qui se défend bien. Astadam n'est que quatrième, dernière et Raphaël Saint qui l'a franchi en tête, qui a toujours l'avantage. En deuxième position, il y a Colina As qui attaque Madame Mouni et maintenant à 50 mètres du but. L'avantage pour Raphaël Saint qui se détache nettement de ses adversaires. Colina As, Madame Mouni en 2 et 3e position loin d'Astadam. Raphaël Saint va s'imposer au niveau groupe 3 aujourd'hui dans le prix André Michel, François Nicole, Kazakh Munir. Deuxième place arrachée peut-être par Madame Mouni aux dépens à l'extérieur de Colina As et Astadam 4e en retrait.